Bon. Le gouvernement de joie, le gouvernement de la joie, bonsoir à tous, le gouvernement de la joie rend hommage à Vintanke, une grande bordelle des sous-bas de Paris. Voilà, donc on va la rendre hommage. Parce que chaque personne doit, on doit rendre hommage au nouveau venu de Facebook. Au nouveau venu, parce que tu as la vidéo que j'ai fait à midi, cette vidéo a été enlevée parce qu'il y avait mis des musiques. La musique que j'ai mis était très proche de, du téléphone. Donc on va la rendre en hommage mémorable. Voilà. On va la voir danser pour elle. Elle l'a réveillée. Réveillez-moi la salle là. Il faut que Dieu te soutienne, te vienne à l'aide. Parce que quand le gouvernement de la joie est fâché quand quelqu'un se mouvait. Il est fait de ça.
trop long. Bon, on va s'asseoir dimanche pour rendre un grand hommage à une célèbre star de porno de Paris 17e, côté pauvre. On va commencer. On va entendre d'abord une chanson pour elle. Si t'en gâtes pas de ouais, si t'en gâtes pas de ouais, oh, allez voir, allez vine tant que, avec 10 francs, vous, avec 10 euros, vous avez la pipe bien en gorge profonde et le sexe. Si t'en gâtes pas de ouais, si t'en gâtes pas de ouais, oh, allez voir, allez vine tant que son bureau se trouve chez Debout Debout, oh, Paris 17e. Si t'en gâte pas le way, si t'en gâte pas le way, oh, avec 10 euros, 3 billets, vous pouvez aller la niquer aux toilettes. C'est comme ça. Vous entendez? Comme je dis toujours, il y a des gens ici que, Arbitre, que tu me connais très bien. Je m'en fous de toi, je te connais pas. Tu entends, non? Tu peux pas te cacher derrière Lolo pour venir me dire certaines choses. Lolo, je l'écrase. Toi, je t'écrase. Tu me parles de quoi? Tu me... On a dit que je suis à côté comme menace. Je suis à côté que si je te dois ton argent, hein, parle-moi doucement. Parce que si je te dis que je te donne pas, tu vas me faire quoi? Tu me réveilles le matin. Tu m'insultes. En tant que tu peux m'insulter, toi, Avine. Tu es quoi? Où est ta vie? Une femme t'a fait rater ton mariage au Cameroun à cause de l'échange. Maintenant, tu es où? Te voilà ici. Paris, une belle fille comme toi. Allez, vous allez taper Alvin Tanker, la plus belle, là, celle qui est brune là. Si elle n'a pas désactivé, c'est elle. C'est une grosse lesbienne. Une raquée de la nation. Tu n'es rien à dire, comme je t'ai dit. Je t'ai promis, Alvin, comme tu as promis que dès que j'accouche, tu vas me montrer. Mieux, tu commences à me montrer maintenant. Mais tu vas me faire quoi après? Tu sais que moi, depuis des années, on m'a promis des bastonnades ici. Je n'ai jamais rien eu. Tu sais que toi, tu vas me faire quoi? Adine, essaie de me toucher. Tu me touches ici. Je te montre qui je suis. Si tu as travaillé devant moi. Regarde-moi une sale chienne comme ça. C'est un petit minard de femme que tu sors là. Que tu penses qu'ils vont te sauver un jour. N'oublie pas que dans ma famille, il y a des femmes. Hein? N'oublie pas que dans ma famille, il y a des femmes. Moi, je ne compte pas les mon tchengar. Hein? Il y a d'autres femmes dans ma famille que tu ne connais pas. Regarde-moi cette sale petite cervelle là. Les petits que tu m'as dit, elle m'a sauvé du 7e. Un doigt qui est pauvre du 7e par boire les alcools dans ça. Elle m'a coupé là-bas. Tu vas vivre avec vous? Faites votre petite sale bande, tu vas les petites sale bande des femmes ratées là. J'ai là-dedans, moi. Je vous ai dit quoi? Que je ne peux pas entrer dans votre sale bande. Je reste avec ma faux. Ma faux, elle me maîtrise, moi, je maîtrise ma faux. On se connaît depuis des années ici à Facebook. Tu entends, non? Elle se passe comme ça entre elles. Je ne peux pas me rallier à une ratée comme Lolo. Regarde-toi. Comme j'ai toujours dit, écoutez bien les palmarès des amis de Lolo. Ma soeur Boulou, qui est Lorraine Mengue. Lorraine Mengue est quoi? Elle peut être dans une souffle tous les jours. Elle est amoureuse d'un gars qu'on appelle maintenant Macron, qui est où? Au Maroc. Un beaux ailleurs qui n'arrive pas à entrer en France. Les deux. Pourquoi elle est française? Pourquoi elle n'a pas épousé son beaux ailleurs? On aurait tout vu. Les deux. Maman ministre est où? Sans papier. Elle est dans un taudis. On dit quand vous entrez dans l'enquête, elle entre là où? Et elle se drogue comme quoi? Ça, c'est une personne là. Elle dit tant que je viens maintenant sur toi, toi alors, tu as quoi? On t'a foutu dehors. Tu as vécu dans une maison. Pendant un mois, on t'a coupé l'eau, on a coupé le courant. Tu n'arrivais pas à payer. Tu as les problèmes avec toutes les petites filles de Paris, tous les gars de Paris qui connaissent, tu as les problèmes avec eux. Hein? Tu as connu une fille comme moi, avec la taille que j'ai là, tu vas aller serrer les bancs, aller voir les biens au debout. 10 euros, 3 biens. Après, on vous ramasse, on va vous baiser. Hein? Les femmes, tu es dedans, les chiens, tu es dedans, les rats, tu es dedans. Tu es dans tous les domaines. Du sexe, tu es dedans. Tout le monde est pareil, tu veux me parler? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Vintraco Cameroun? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà avant de venir me parler, va construire la maison à ta mère. Ta mère loue toujours là-bas à Nobel. Ma mère ne loue pas. Tu entends, non? La maison que j'ai construite, ma mère vient là-bas quand elle veut. Ma mère va au village, elle dort chez elle. Quand elle veut, pas de gnang gnang que vous parlez là, j'ai construit à ma mère. Va construire à ta mère. Tu entends? Je t'ai donné tout. Un bon mariage, un bon gosse. Un pétrolier Charlie, Thierry Ndogo. Tu as fait quoi? Depuis des années, on disait à ton mari que ta femme est lesbienne, ne croyait pas. Il est parti, il a mis les caméras. Il a mis les caméras dans la maison. Jusqu'à que, je ne veux pas dire le nom de la femme. Parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. Tu entends, non? C'est pour ça que je ne cite pas son nom ici. Parce que c'est une dame que je respecte beaucoup.
Mais la plupart des gens qui me connaissent, qui c'est. Elle est grande du Cameroun. Elle t'a tapé sur le lien. On vous tape toujours. Toi, rampe là. On vous tape toujours. Elle a fait. Bam, bam. Dis que tu n'aimes pas Thierry Ndongo. Bam. Oh, je n'aime pas Thierry Ndongo. Dis que c'est moi que tu aimes. Oui, c'est moi que tu aimes. La caméra était là. La caméra était là, on a tout filmé. Quand ton mari est rentré, il t'a dit, ah ma chérie, c'est comment? Va encore, il t'a donné 5 millions ou 6 millions, ce qu'on me dit. Tu es parti encore au Tiki, acheter des choses. Quand tu es entré au Cameroun, tu es venu chercher à l'aéroport. Tu as demandé au chauffeur, où est mon mari? Le chauffeur t'a dit quoi? Ton mari t'a demandé que je te vienne te prendre. Arrivé, abonnement, ça dit, voilà votre maison là-bas, alors pomme, voilà abonnement, ça tu là-bas. On t'a amené dans la maison que tu louais. Que tu viens de louer à ta mère. Abonnement, ça dit. On t'a amené là-bas directement. On a fait asseoir toute la maison. Tous tes beaux frères sont arrivés. On a monté la vidéo. La honte allait te tuer. Tu as voir comme ça pour fuir là-bas. Heureusement que tu es un peu. Tu as pris les papiers. La carte de sécurité t'a sauvé. Tu es rentré ici. La honte peut te tuer. Comment une femme peut te faire. Tu as déjà un foyer. Tu as déjà tout. Tu as un enfant avec monsieur. Tu as déjà tout. Une femme vient t'arriver dans ton mariage. Tu viens errer. Elle a commencé à errer. À debout. Ici à Paris. Tu avais tout. Un magasin, des employés, les grosses voitures. Les MS que j'ai vu. Avec, tu étais belle au Cameroun. Regarde-toi. Tu reviens quoi? Tu es devenue une épave. Une moins de rien. Que tout le monde baise quand il veut. Hein? Tu finis de boire ton faux-fort. Tu vas t'asseoir debout. Tu as avec les gens. Et c'est ça avec moi. Je veux te fendre de ton lait visage là. Et c'est ça avec moi. C'est quoi ça? Une bande de racailles comme ça. Tu regardes les gens qui sont autour de l'eau. Ce sont les racailles. Il y a personne qui est situé parmi vous. Toi-même, tu as quoi? Lulu a quoi? Quand j'ai vu sa vidéo hier, ouais, moi, au Cameroun, moi, mon frère au Cameroun, mon frère est beau gosse, je donne l'achat à mon frère, je suis paupier, je paie mon. J'ai un bail ici. Avant, un bail, ça ne veut pas dire que tu paies le loyer tous les jours. On peut te pousser là-bas de voir comment on veut. Le bail, c'est quoi? Nous, on a le bail, on a que les maisons majeures. Hein? Regarde-moi les deux bails, ça, les choses aussi. Et moi, je vais vous suivre, moi. Suivre les sales choses qui n'ont pas réussi, les drogués, les biens à debout, toi bien à dire, on va me baiser. Et moi, je vous marche avec vous. Alors, décampons. Partagez mon vidéo aussi. Partagez-la. Il faut que ça. Même si ceux qui ne veulent même pas, mettez ça dans vos mains, après vous allez enlever. Que tout le monde, parce qu'on est toujours amis avec quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tout attendez, non, partagez-moi cette vidéo. Arrêtons un peu. On est où là? Je reste moi dans mon histoire. Je ne vais pas me pour m'aller à vie. Même si je te dois. Alvin, tu sais, aujourd'hui, je suis à l'hôpital là. Comme j'ai 43 ans bientôt, tu vois, on m'a fait les tests mon enfant, pour trésorerie 21. Comme ce n'est pas remboursé par la Sécu, j'ai dépensé 400 euros. Voilà, c'est ici. Voilà les échographies que j'ai fait aujourd'hui pour mon Dieu donné. Il va, ne vous inquiétez pas, mon Dieu donné va tirer. J'ai payé 400 euros. J'ai appelé son père. Il m'a dit que tu as l'argent, tu payes, je vais te rembourser. Je vais me rembourser mon argent de nous. Tu attends, non? Vous me connaissez même? Regarde-moi les sales choses comme ceux qui ont baissé leur âge. Tout le monde a 30 ans, 35 ans. C'est Valérie, celle qui a 43 ans. Vous l'avez même senti ici à Paris. Une bande de raquettes comme ça. Moi, je préfère marcher avec des gens comme le Mafou. Mafou est admirable. Le nom t'a invité où? Comme j'ai dit hier, le nom, pardon. Toi et moi, arrêtons ici à Béjeux. Là, vous êtes dans les petites soirées ici à Béjeux. Ça s'arrête là. Regarde-moi ça. Les gens qui n'ont même pas de maison. Tout le temps fourré à Paris. Chez Bangou. Vous voyez les restaurants pareils. Les sales choses comme ça, on est pareil. Une femme ose mettre des. Et puis tu oses ouvrir ton canapé sur une droguée comme toi. Une droguée comme toi. Une lécheuse de fesses comme toi. Dis donc. Donc tout le monde va me sortir une canapé droguée. Moi je suis droguée. Et alors? Je me drogue avec vos fesses. Hein? Droguée. Toi, tu es quoi? Tu veux autre chose, hein? Bande de sans-papiers, bande de pauvres, minables femmes qui n'ont rien dans leur vie. Imbécile. On va dire, je vais mourir, que je vais manquer de savon un jour. Je ne manquerai pas de savon un jour, grâce au bon Dieu. J'ai deux filles qui travaillent. Hein? Ma première fille, comme vous voyez là, me donne 250 euros de moi. Pour dire que, ouais, maman, tu vas faire des petites courses. Oui. Eh oui, c'est l'autre aussi va travailler bientôt. Elle ne va jamais oublier mes enfants. Les sales choses comme ça, on est arrivé en France ensemble. Les beaux aïeux sont comme ça. C'est pas qu'on se soit. Avec tu es même qui, avec que tu es qui, quand on te voit demain, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Tu es raté de la nature, raté de la nature. Va te faire baiser au Cameroun. Hé, je m'en vais au dé de Thierry Ndongo. Et puis va te regarder encore là-bas.
Quand tu regardes, tu es affamé, tu es devenu laide. Cette chose, tu ressembles à quoi? Même les merci, ça te dépasse. Cela te dépasse. Remets les 350 euros de Rodiane. Hein? Tu voulais aller baiser avec Rodiane, Rodiane a refusé. Tu as pris son argent. Remets-lui son argent. Rodiane, je suis maintenant avec toi, on va marcher ensemble maintenant. On va marcher ensemble. Et on va voir ce qui va se passer ici à Paris. Ça veut dire quoi? Les ratés comme ça, bande de sales pauvres, minables femmes. Dis donc. Comment? J'ai déjà chaud. Je vais te fabriquer. Elle s'est fait la vie tant que la longue lesbienne de Paris, la longue lesbienne de Caniveau, qui ne vaut rien dans sa vie, qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Hein? Tu as vu que les papiers allaient finir. Tu allais faire vite l'enfant. Moi, tu as renouvelé tes papiers. Parce que l'arabe, là, que si tu ne payes pas, elle a fait un petit faux mariage avec un arabe ici à Paris. On a donné les papiers. Même un blanc ne t'a jamais regardé pour dire bonjour. Allô, 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 quoi? Comment on dit souvent que allô, quoi? C'est qui ça? Ben, je te connais pas, donc je ne vais pas te prendre. D'accord? Donc, c'est pas la peine, je te connais pas, je te prends pas, merci. Donc, voilà. Je suis déjà calme, je suis déjà dit ce que j'avais à dire. Vous comprenez, c'est comme ça. Quand une fille te ferme, bah, quand moi, je ne cherche pas les problèmes, j'allais toujours dire ça. Ma part arrive toujours, tu peux me menacer, tu peux te charger une laisse. Chahine, c'est qui? Donc, je vais accepter que Chahine, il faut manquer le respect. Je le marque qui? Il y a un homme. Il est d'abord Féman, un voleur. On est allé là-bas à l'aéroport de Hydro. Chahine, qui savait son ami. Ils ont volé le parfum. Ils ont volé le parfum là-bas à Londres. Voilà encore notre problème qu'il est ici. Pour les appartements, dans le HLM là. Il t'a pas dit ça. Tu vois avec qui tu tiens bien que les bandits, les voleurs, les Féman, les bandits. Sale chose. Et même. Abine, tant que je reste encore comme ça un jour, tu parlais de moi, quand tu me vois du 7e un jour, tu me fais hic. Je vais accoucher sur toi le jour-là. Elle me promet même, accouche à mon sang. Tu vas sentir, en faisant quoi? Je vais te faire bégayer ici à Paris. Tu entends? Je vais te faire bégayer ici à Paris. Tu ne me connais pas. Toi, tu es la mauvaise personne. Tu sais que j'ai pas de Lolo. Dis donc, Lolo va me dire quoi qu'elle n'a pas encore dit? Qu'elle n'a pas encore dit? Regarde-moi, une mendine comme ça. Tes enfants sont où? Ta fille est où? Ta fille est élevée par la famille de Charlie Nongo, non? Parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Une lesbienne. Ouais. Maman, elle me parlait. Je n'ai rien pour les lesbiennes, hein. Je n'ai rien. Mais une lesbienne qui fait semblant d'aimer les hommes. On donne tout jusqu'à que une autre lesbienne qui est ici pour aller la chercher. Et vous faites l'amour dans les lits de la personne. Les caméras vous filment. On monte à ta main jusqu'à on te tape. Je dis que non. Tu sais que tu n'es pas Charlie Nongo. Qui? Oui, je n'ai. N'avons de bande là, on me tape sur le bar. L'autre là-bas, on lui fait les partouts en arrière, devant et tout ça. Les rampes. Je veux venir entrer dans une bande comme ça pour faire quoi chez vous? Vous me dites-moi. Qu'est-ce que je veux venir bien faire dans ta bande? Elle dit, je ne peux pas. Tu es qui? Tu es en train de dire que je ne marche pas avec toi. Je ne peux pas. Si tu es qui, tu n'es rien du tout. Je suis désolé, tu es un asticot devant les gens. Tu es une sale fille. Les veuves de Paris traînent dans les restaurants. C'est pas moi ça. Les veuves traînent dans les restaurants, les noirs. Si ce n'est pas le 17e, c'est le Kamer, c'est Maono. Hé, pour chez les petits femmes qui viennent d'arriver, on vous ignore dans les deux hôtels là qui sont la garde du Nord là-bas. Pourquoi tu ne connais pas ça? Et là, il a dit, fie-toi avec moi. Va appeler Lolo. Je vais l'insulter correctement et bien comme toi. J'ai peur de vous. Une bande de sales minables femmes comme ça, qui ont raté leur vie. Vous êtes chez les bourbés à la veuve. Dis donc, I'm a winner, woman. Hey, je suis une gagneuse, à vie. Vous ne me pouvez pas. Allez faire vos gnoc là dans votre sale bande là. Des crapauds là. Et ma mis crapaud, croc, croc, croc. Allez, t'es ça là-bas. Avec moi, ça n'existe pas. Vous ne me pouvez pas. Dis donc. Ouais, la bière s'y passe bien jusqu'à. Bon, mes amis, j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Oui, ce sont les copines de Lolo, oui. Ce sont les copines de Lolo, oui. Oui, donc, notre footballeur, il bouge trop. Il bougeait tellement que le Dicon a fait l'échographie, mais pendant 30 minutes, parce qu'il bougeait beaucoup, beaucoup, il est trop actif. Comme sa mère, c'est normal. Comment tu es dans un ventre comme ça, tu ne peux pas être actif? Ah! Et que les Camerounais vont me tuer à Paris. Tu ne t'as pas comme ça, t'as pas arrivé. Même tout le monde peut parler, même toi, Avin, tant que tu veux me parler. Avin, montre-moi qu'est-ce que tu as eu que je n'ai pas. Tu me connais très bien, Avin. Hein? Tu me connais très bien, d'accord? Minable roi des coups.
baiseuse automatique de Paris. Dans tous les trous. Devant tu es, derrière tu es. Les légères des fesses tu es. Va payer tes dettes au Cameroun. On t'attend au Cameroun payer tes dettes. Tes dettes. Mais elle a pris le même chemin. Vu qu'elle baise avec la copine de sa mère. Pas même de quoi elle a pris la devant à sa mère. Même le Faut dire que le silence est d'or. Non. Ici à Paris, le silence n'est pas d'or. Ici à Paris, vous voyez, au fur et à mesure que les gens vont vous piétiner. Si vous êtes tranquille, on va encore vous piétiner. Moi, je ne laisse pas piétiner. Coucou, la marée naturelle, tu vas bien? Non, le bébé va y aller. Le bébé connaît. Il adore même quand il est fait comme ça. Il bouge. Il est content. Non, tout va bien. Hein? Et le mal que j'avais l'autre jour, ce n'est pas le bébé. Hein? C'est le fibron. Il y a un fibron qui est en train de mourir dedans. Je vois, c'est pour ça que ça faisait mal. Il n'y a pas un problème. Le bébé est bien posé, bien placé. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Avec tout ce que je mange ici, là. L'enfant, c'est d'abord dans l'attention. Pourquoi il ne veut pas regarder dans l'attention? Il vient dans un monde de tension. Il faut qu'il apprenne d'avoir l'attention étant dans le ventre. Mes amis, c'est comme ça, non? Moi, je ne me laisse pas faire. Jamais. C'est tout des rats des goûts. Parce qu'on est ici à Paris, tous les au Cameroun, j'avais des employés. Hein? Les voitures, tout. Ça dédain quoi ici à Facebook? Et si mon mari vivait encore, je me demande si elle marchait de la carte, c'était un légumène comme ça. Valérie, donne-moi 100 euros, je donne. Valérie, donne-moi ça, je donne. Maintenant, c'est toujours moi. Hein? D'abord, dimanche, je suis là-bas. Dimanche. Demain soir même d'abord. Demain. Vous allez me sentir passer là-bas, dans votre debout de là, des merdes là. Le bébé, il est prêt. Il connaît déjà dans quel ventre il est. C'est comme ça. L'enfant, oui, il va dire, dès qu'il naît, je crée un faux profil. Oui, c'est un faux profil. Vous allez être très surpris de la couleur de mon enfant ici dehors. Vous parlez trop. Vous ne connaissez rien de ma vie. Vous allez vous asseoir dans les lobbies, dans les carabottes, dans les machins trucs, dans vos histoires à con, là, vous parlez de moi. Vous savez avec qui je sors, avec qui je couche? C'est un beau homme. J'ai dit que mon enfant, c'est immaculée conception. J'ai tiré ma corde, il est venu entrer. C'est tout. Vous n'avez rien à savoir de ma vie, de mon enfant, de tête, de ton enfant, de quelle couleur il aura. Même s'il est noir, je suis noir moi-même, non. Et s'il est noir, il sera très beau et très mignon. Rassurez-vous. Et s'il est métis alors, il sera très beau. Et très mignon. C'est tout. Non. L'autre jour, vous avez dit que je n'ai pas plus de vent, non. Je n'ai plus de vent. Maintenant, je bois la bière. Vous avez dit que la bière donne le lait, non. De toute façon, je ne veux pas l'allaiter. Hein? Non. Moi, je ne veux pas attendre d'allaiter l'enfant. Notre enfant est béni. Bonsoir à la fille. Comment non? Yin Yang. Dieu donné sera très beau. Amen. Le vin rouge. Demain, on va boire le vin rouge. Le bébé aura un faux profil dès qu'il est né. Vous allez entendre ici. Je vais nommer que Mafu Blakata, numéro 16. Parce qu'il y a déjà tous les Mafu ici. Oui. Yeah. Mais de toute façon, moi, j'ai dit ce que j'avais à lui dire à Aline. Parce que j'ai toujours dit ici à Facebook, je ne regrette pas les gens que j'ai insultés à Facebook. Parce que les gens m'ont dit que ah, Valérie, elle cache ses copines. Non, je ne cache pas mes copines. Parce que quand ma copine fait quelque chose qui ne va pas, j'entends non. Je ne dois pas cacher pourquoi. Je dois me laisser faire. Ces petites poufesses-là, que quand j'avais l'argent que mon mari vivait, elle me voyait, j'étais contente parce qu'elle allait boire. Non, je dis, c'est tout le monde qui va ouvrir moi sa bouche. En plus, je dors moi le matin, j'ai fini de manger moi mes choses. Je dors moi. Non, j'étais à Instagram, j'expliquais quelque chose à mes amis d'Instagram. Et après, je vois un message et puis j'ai dû couper le Instagram. Je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas votre enfant. Vu que ici à Paris, je suis votre grande sœur. C'est ma petite cousine, c'est que vous ne me respectez pas. Dans ma famille, on me respecte, hein.
Même mes petites soeurs qui sont ici me respectent. Mes petites, tout le monde me respecte dans ma famille. Tout, je suis la grande de tout, toute là. Tout le monde me respecte. Même les grands garçons comme ça me respectent. Avec leurs femmes, leur famille. Et je vais me défendre ici à Facebook Napien. En tout cas, comme on a dit, dimanche non. Dimanche, on attend les résultats de dimanche. On attend les derniers voix. Je vais vous laver, toi et ta salle. Regarde une barre de la caille comme ça. Une femme qui roulait dans les grosses BMW. Hein? Les cahiers. Eh, Binoa. Les poches. Je m'assois ici, je suis dans mon petit maison. Vous moquez de moi. Hein? Moquez-vous de vous. N'oubliez la veuve. Vraiment, les sales choses comme ça. Je vous donne. Je ne donne pas 100, je te donne pas tes 100 euros. Je te donne pas, j'ai ça là, je te donne pas. Adine, voilà ça. Tu n'auras pas ça. Tu attends, voilà tes 100 euros ici. Adine, voilà ça. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas ça. Je te montrerai, voilà ça. Si tu as une femme, tu viens arracher, tu vas voir ce que tu veux te faire. Imbécile. Les racailles comme ça. Avec tant que tu es qui? Voilà Thierry Drogué a trouvé une petite fille avec qui s'est mariée. Alors qu'il devait se marier avec toi. Comment tu n'as. Tu sais que. Si tu étais vraiment une fille parmi lesquelles. Attends, non, tu allais supporter ton mariage. Le Thierry Drogué allait t'épouser. Mais comme tu as le sang de quoi? Parce que tu es Bassa. Ton père est Bassa. Et c'est avec qui est parmi lesquelles. C'est pour ça que ton mariage est échoué. Parce que vous savez que chez nous, les Guanous ne restent pas tout en mariage. Hein? Hein? Il y a comme ma soeur, c'est la femme de l'an 2000, qui aime son mari, qui est toujours en mariage. Le reste, nous, on n'est pas dans le vrac là. Ça ne va pas, on quitte. C'est tout. Mais là, ce que tu as fait, tu as laissé l'homme de ta vie pour venir rester au 17e. Et tu me parles, moi. Une ratée de vie comme toi, tu m'as donné quelque chose à lui. Tu m'as donné quelque chose, toi. Dis-moi. Mais les anciennes bordées des temps de l'époque d'Aïdjo, toujours en train de boire les bières. Elle a déjà, son petit va déjà comme un petit bidon si. Hein. Ah, dit, tu es enceinte? Non. Elle grossit parce que comme les femmes n'aiment pas trop les femmes minces, les femmes aiment le djindjim là-bas derrière. Et le gros ventre pour les femmes des Saïrois. Elles ont leur réseau de Saïrois. Tu m'as dit dans les réseaux comme ça. Hein? Malheureusement, comme ça, tu me parlais, toi. Tu me fous qui devant moi. Et bimé là. Et qu'elle va te frapper. On va faire ça dur. Comme si. Et puis quand on dit quand quelqu'un me dit que je veux te faire. Mais c'est comme si quelqu'un va venir me taper, je suis comme un enfant, hein. Donc vous allez m'arrêter pour faire me battre. Oui. Quelqu'un essaye avec moi. Essayez. Peut-être qu'à l'époque, j'étais peut-être dans la drogue et tout ça. C'était un moins violent. Essayez-moi maintenant. Quelqu'un va bouffer la honte. Je veux souiller une personne. J'ai dit tu veux qu'un jour. Je veux souiller une personne ici à Paris. Ça sera filmé. Vous ne me croyez pas. Un jour. Je veux souiller, je veux m'énerver vraiment. Je veux souiller quelqu'un ici à Paris. Vous avez dit que non, mais c'est pas que la petite fille était violente comme ça. Vraiment. Il y a un comme ça, non, je connais ces filles. Oui, en tout cas, mes amis. Non, je laisse, j'ai laissé, c'est bon, là, je ne suis ni plus, j'ai dit que, mais je n'ai pas fini avec elle, parce que moi, on ne m'agresse pas le matin, vous comprenez, le matin, moi, j'aime le calme, je m'avais sur Facebook, je souffre, j'écoute ce que les gens ont dit, c'est tout, je veux le calme dans ma vie, parce que c'est le pote qui peut m'insulter par les énergumènes comme ça, une bande de ratés comme ça. Allez, conçu chez vous, allez faire quelque chose chez vous, passez votre temps à baiser, vous discutez maintenant les filles, et vous n'avez pas honte. Vous écoutez les clients avec les filles nigériennes. Les filles nigériennes là qui se passent à leur siège sont en 17e, 18e, partout là. Pour chercher leur vie. Vous écoutez encore les clients avec les filles là. Allez sur les Champs-Élysées. Allez sur les Champs-Élysées. Si vous êtes capable. Là-bas, c'est là-bas qu'on va voir votre beauté. Et le sugar baby là-bas. Si moi je n'ai pas sonné ici, si vous serez là-bas, c'est là-bas depuis. Là où les jeunes vont au parc, c'est là-bas. J'ai les adresses. Allez-y. Vous partez entrer dans les Fouka-Fouka là-bas. Les Fouka-Fouka du quartier. Quand tu sors de là, tu sens comment les béliers haricots te suivent. Me dis que la perruque, ça, il y a les béliers haricots. Tu oublies de te laver avant de dormir. C'est là-bas que vous partez et vous croyez que moi, je vous suis dans cette bêtise-là. Vous me voyez dans les Fouka-Fouka. Les boubous, c'est là. Ah, vite, tant que...
C'est pas fini avec toi, imbécile. Dis donc, tu as raté ta vie. Raté. Je ne laisse pas. Je veux finir avec elle. Dis donc. Les fous, quand tu sors de là, maman, là, on mange des héros. Un plat, 5 euros. Quand tu sors de là, même ton banque gonflée, même on gérait la semaine, elle l'a vu dedans. Vous les Camerounais de faire Paris, vous me faites rigoler. Hein? Vous me faites rire, mes soeurs. Tu vois, quand ça t'aide à moi, ce qu'elle dit que, elle savent, tu t'en fous pas que je m'étais dessus. Tu t'en fous pas. Elle ne te fabrique pas. Je ne donne pas une bonne image. Tu es une image de grosse prostituée, le temps d'ailleurs ce que tu es. Hein? Il y a des, la bière là, le goût de ça. Je te dis, j'avance ça là, je vous jure que c'est chaud. C'est ma haine qu'un de hier. Moi quoi, dans la sauce. Dis donc. On va déranger la veuve et Dieu donné ici là. Dieu donné là, il ne dérange pas la veuve. C'est vous qui venez me déranger? Vous êtes malade? Rodjane, tu vas devenir ma copine. On va marcher ensemble, on va te théoriser. Dis donc, on va faire quoi? On va te faire quoi? Parce que tu es seule. On va te faire quoi? Dis donc, moi je ne veux pas certaines choses, hein. Je ne veux pas le. Vous venez, il y a peine de. Vous venez, il y a le sectariat là. Ça ne marche pas avec moi. Hein? Le sectariat ne marche pas avec moi. Regardez-moi. Vous croyez que moi je peux marcher avec de l'eau? Je peux marcher avec vous là? Là-bas, les rats de la tête là. Quand tu marches avec, tu es sûr qu'il n'y a aucune qui va vous rentrer. Aucune qui n'a même 20 euros pour payer les taxis là parmi elles. Il n'y a aucune. Hein? Et comme tu vois que Valérie est là, par contre, tu pars de quel côté? Tu pars de quel côté? Elles te suivent. Elles montent tous dans un même taxi. Hein? Donc voilà. Hein? Les ratés comme ça, les enfants cotisés par tous les vieux spermes de doigts là. Viens me parler des bracatachoses comme ça. Avec tant que tu es qui? Avant de me parler, il faut avoir de retenue, hein. J'ai eu une vie et j'ai une vie à protéger, hein. J'ai une vie. Peu importe ce que je peux faire de ma vie, ce que je peux faire dans ma vie. Je te permets pas de m'insulter. Tu veux m'insulter, toi? Tu as la gueule pour m'insulter? Je veux te faire bégayer ici à Paris. Comme tu fais, je veux te faire bégayer ici à Paris. Une chouagne. Et l'anoisout. La vie, c'est le goût jusqu'à. Mes amis, je ne sais même pas quelle heure il est. Parce que vous savez que moi, j'aime regarder les films. Hein? Il y a le journal. Vous savez que notre Dagobert. Il y a. Rodiane a eu des problèmes avec vous là-bas. Les gens, c'est une personne que je connais personnellement. Donc, n'entrez pas dans les problèmes des gens que vous ne connaissez pas ici à Facebook. Donc, voilà. Si le Rodjane a eu étudié ma foule, ça c'est le problème de Rodjane et ma foule là-bas. Ça ne veut pas que je ne veux pas parler avec Rodjane, parce que c'est une personne qui existe et que je connais très bien. Toi, Yin Yang, je ne te connais pas. Donc, voilà. Donc, arrêtons un peu. C'est quelque chose ici à Facebook. Je ne voulais pas que je suis dans votre team. J'ai dit que je supporte ma foule. Je la soutiens. Pour combattre la bande de Lolo, c'est ce que j'ai fait. Parce que la fille que j'ai suivie, elle est dans la bande de Lolo. D'accord? Vous comprenez? Donc, ne venez pas. Je ne suis pas là pour les gens qui disent que parce que tu avais ma faute, que tu dois. Non. Ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis dans le gouvernement de joie. Et je défends ma faute parce que ma faute a les bonnes valeurs que moi j'aime bien. Elle ne cache rien à personne. Elle est quelqu'un de très sympa. Tu entends, non? Donc, voilà. Et c'est une amie que j'aime bien et que j'apprécie. Du coup, je ne veux pas qu'on me dicte les lois. Vous me dites que fais attention à tel ou tel ou tel. Non. Pas question. Mon gouvernement de joie reste toujours dans le gouvernement de joie. C'est comme maintenant, je vais pas aller chez Valérie Amougou. Le truc là-bas, elle met dans un combat là-bas qui m'intéresse. Je vais entrer avec Valérie Amougou pour rester avec, mener ce combat-là avec elle. Dans la vie, c'est comme ça. Chacun choisit sa personne, non? Vous avez choisi ma femme, non? Pourquoi moi, je n'ai pas la choisir aussi? Voilà, c'est tout. Je ne veux pas entrer dans vos délits de Facebook là que ces autres ne parlent pas avec les autres. Non, ça ne marche pas avec moi. Hein, vous avez compris? Voilà. Ne te dis partout, vous amenez le nom de Mafo partout. Moi, j'ai fait mon tuel avec les gens, vous amenez son nom par rapport à quoi? Arrêtez un peu. Mafo ne commande pas mon gouvernement, moi je commande mon gouvernement. Hein. Donc, moi je suis avec elle parce qu'on combat, elle et moi on combat, on a le même combat.
on combat la même personne que vous connaissez. Vous voyez, non, ça s'arrête là. Après, dès qu'on finit bien de combat, chaque personne rentre dans son gouvernement. Moi, je continue ma joie avec mon Dieu donné et vous. Et ma, faut continuer ce voyage dans le monde entier, que vous connaissez. Mais on est toujours avec elle. C'est une personne que j'apprécie sincèrement. Sans vous mentir. Et moi, ça me fait mal ce que je vois ces derniers temps. C'est bon. J'ai vu tout à l'heure que j'ai vu un truc que vous excusez-là. Bon, je vais regarder ça après. D'accord? Sur ce, mes amis, moi, je vous aime beaucoup. J'espère qu'au moins cette vidéo va rester. Parce que les deux vidéos que j'ai fait avec la musique ces derniers temps ont été enlevées par. Les médecins ont dit quoi? Il était dit où les poissons brisés. Attendez. Je vais mettre un peu ça. Mais je ne suis pas sûr que. Il s'appelait même comment. Il s'appelait comment? Ouais, le poisson brisé. Dites-moi le nom du gars là qui chatouille le bonnet dans là. Sirage. Et en tout cas, merci à ceux qui me regardent. Et ils sont quand même, ils sont il y a 40, et 400, et vous êtes nombreux comme ça. Je n'ai pas vu, hein. Oui, quoi que j'étais 40. Mes yeux, s'il faut. Ah oui, oui. Ben dis donc, j'ai déjà aussi des gens comme ça. La veuve va appeler les gars. Alors, ben, ça c'est rien. J'ai souvent 1000 vues avant. Attends. Bon. On cherche ce tirage. Je vais mettre un peu de musique avant, on parle. Mais si dans Facebook, vous verrez, il peut. Le problème, c'est que Facebook devient il y a trop sensible parce que je mets des musiques, mais comme les musiques sont faites par YouTube, vous voyez, ça passe par YouTube, donc ils ne veulent pas payer les droits d'auteur. Je suis que. Non, tirage. Sirage Cameroun. Ouais. Partie 1. On s'en fout. Si on va enlever la vidéo, c'est pas grave. On va quand même écouter. Voilà, la vie ici. Cancam. Bonsoir, bienvenue, Cancam. C'est la vie de la copine de ma Lolo Kiki, ce que je lave là. Hey, je suis en direct. M'aide. Ma woman. C'est comme ça. Je rends ce grand hommage à Alvin Tanke, la copine de Lolo Pipi qui a osé m'appeler pour me menacer. Saluez votre maman, pour votre maman, pour la saluer là, non? Ouais, la vie est finie, le boîte est mal vite. Rendons hommage à Vitanko, à Joie d'Orange. À vous, on tue 4 ans. Les gars, les yaouis, les 100 grammes. Ça, c'est la vie de Alvin là. C'est comme ça là. Paye-moi, je m'en vais. Un bloc bien tenu. Il y a des semis dans cette endroit.
Toi, il t'a saigné. Au revoir. Minko. Minko, Minko. Passe, passe, là. Hey. Salut votre mafo, mafo est là. Ntan, ntan. C'est la vie ici. On les donne les combats, on met dans la enveloppe. Et quand c'est les dollars, les euros. Deux euros est tombé. Au lieu de 5 000. Au lieu de 5 000, 2 euros. Ame-me, ma ouillotte de bénéfice. Ma ouillotte de bénéfice. Ame-me, sa ouillotte. La fille qui dit, oh, on m'a coupé toute la nuit sans bénéfice. Ame-me, ma ouillotte de bénéfice. Ame-me, Pierre, imaginez que quelqu'un soutient le gouvernement de la joie. Et le gouvernement de la joie soutient Mafo. On va les terroriser. Mafo, on va les faire samedi. On attend dimanche. Ameme, ameme, ma ouillotte de bénéfice. De bénéfice. Voilà la vie, hein. Voilà la fille, de Paris. Elle dorme avec les femmes, elle fait mal les pays avec le combat. Hey, ça c'est pour moi, non, maintenant. Hey, la pipo, 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 pipo. Hey. C'est comment encore ici? Il n'y a plus de crédit. Hein? Vous savez que moi, avec mes téléphones ici. Oh, pardon. Non, attends. Soutien total à Bafo, soutien total. Le gouvernement de la joie, de toute façon, les gens qui sont dans mon gouvernement, la personne qui ne soutient pas Bafo, tu quittes d'abord dans mon gouvernement. Soutien total, la veuve joyeuse, vous ne pouvez pas. La suite de l'affaire, l'affaire des combats. Les combats du 17e là, quand les femmes viennent de l'autre du 17e, ils mettent les combats dans les on appelle ça les pexi-milia. Quand c'est les pexi-milia, non? Ça ressemble au-delà. On met ça dans les ventes. Le mot vous donne. Le lendemain, quand tu vois, c'est toi, tu vois que c'est les billets de Monopoly. Monopoly. Je m'en vais aux toilettes, mes amis. J'arrive. La suite de l'affaire. Mafo a dit, Mafo a dit. Le gouvernement de joie soutient Mafo. Maman,
Une femme qui monte dans les avions, aller au-dessus dans le monde entier. Vous êtes là. Vous allez en Belgique. Vous payez le covoiturage. Vous voulez vous là. Vous mesurez à ma peau. Quoi ma foi, vie, ma foi, ou rien. C'est comme ça. Je suis enceinte. Moi? Papa? Nous sommes. Hey! Hey, à monsieur Sirage, tu m'avais trompé en me donnant 10 francs au lieu de 5 000. Non! Avec la pierre, chaque soir, pimenté. Yeah! On attend la fin de départ. Hey, yeah! On attend l'enfant. On attend l'enfant. Le téléphone, c'est même comment? S'il n'y a plus de crédit, tu dis, ne me coupe pas dans mon élan comme ça. Mais vous savez que la maison, si tu es un braquata ici. Bye. Je vous embrasse.